monsieur. Bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Le premier gouvernement de la Troisième République des Côte d'Ivoire est connu depuis ce mercredi. Après sa nomination mardi en début de soirée au poste de Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ex-secrétaire général de la présidence, disposait d'un bref délai pour former son équipe. Une démarche, dit-on, facilitée par de longs moments de tractation entre l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, et son allié au pouvoir, Alassane Ouattara. Ce mercredi, sans grande surprise donc, le nouveau secrétaire général de la présidence et ancien ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, a donné dans une communication peu après-midi au palais d'Abidjan Plateau la composition du nouveau gouvernement de 28 membres contre 35 pour le précédent, qui enregistre 9 entrées. Ce sont les ministres Thierry Tano du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Amédée Koffi des infrastructures économiques, Claude Isaac de la construction, Issa Koulibaly des eaux et forêts, Jean-Claude Kouassi de l'emploi, Amadou Koné des transports, Souleymane Diarasouba du commerce et de l'artisanat et Siandou Fofana du tourisme. Une dizaine de départs dont Gaoussou Touré, Dakoury Tablé, Moutaïe Azoumane, Alaa Kouadio, Roger Kakou, Paul Kofi Kofi, Jean-Louis Billon, Tungara Adaman, Afoussiata Bamba Lamine et Moussa Dosso. Les ministres de l'Éducation nationale, Kandia Camara, de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, des Ressources animales, Agumani Kobina, des Affaires étrangères, Marcel Amontano, de la Justice, Sassan Kambilé, des Mines et de l'Industrie, Jean-Claude Brou, n'ont pas bougé. Le ministre de la Défense, Alain Richard Donvahi, a échappé à la tempête des limogeages à la suite du soulèvement des militaires vendredi et samedi dernier, qui a cependant provoqué le débarquement des généraux militaires Soumaïla Bakayoko, gendarmes Gervais Kouakou et policiers Brendou Mbia. En Gambie, les négociations initialement prévues ce mercredi entre le président sortant, Yahya Jammeh, et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont repoussées à vendredi. La présidence nigériane a annoncé mardi que le report de la mission de médiation de la CEDEAO répondait à la demande de M. Jammeh. Lors d'une déclaration télévisée dans la nuit de mardi à mercredi, le président gambien sortant a par ailleurs dénoncé des ingérences étrangères sans précédent dans son pays. Il souhaite que son contentieux avec l'opposition soit réglé pacifiquement. Peu avant sa déclaration, la Cour suprême gambienne a jugé impossible la demande de Yahya Jammeh de statuer immédiatement sur les recours qu'il a engagés contre sa défaite électorale. Pour la Cour, le recrutement des magistrats manquants demanderait plusieurs mois. Le temps de recruter ces magistrats, elle suggère à M. Jammeh de négocier directement avec le président élu, Adama Barrow. La Gambie traverse une crise depuis l'élection présidentielle du 1er décembre. Le président Yahya Jammeh avait d'abord reconnu sa défaite face à l'opposant Adama Barrow début décembre, avant de changer de position et de dénoncer des irrégularités dans les votes. Mardi, Yahya Jammeh, dont le mandat prend fin le 18 janvier, a limogé son ministre de la Jeunesse et des Sports, Aliou Keye Jammeh. Pas d'explication sur cette décision, tout comme la veille avec la démission du ministre de l'Information et de la Communication, Chérif Bojang. Autre fait marquant dans cette Gambie déstabilisée, 3 journalistes sénégalais ont été interpellés mardi, puis expulsés du pays par des agents de sécurité après leur couverture de l'audience de la Cour suprême. Un journaliste gambien qui prenait des photos avec son téléphone à la même occasion a lui aussi brièvement été interpellé avant d'être libéré. Le chef de file de l'opposition togolaise dénonce la mise en place par le chef de l'État d'une commission de réflexion sur les réformes politiques dans le pays. Pour Jean-Pierre Fabre, Fornia Simbé n'a aucune qualité ni la compétence pour procéder à l'enterrement de l'accord politique global signé sous l'égide de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le président de l'Alliance nationale pour le changement dénonce des manœuvres dilatoires du gouvernement togolais qui, selon lui, multiplie les ateliers et les commissions. Jean-Pierre Fabre répond au micro de notre correspondant, Noël Tadénion. Notre position est claire. Nous disons que le chef de l'État n'a aucune qualité, aucune compétence pour procéder à la mise à l'écart, à l'enterrement de l'accord politique global. Et je dis, en pesant mes mots, que cet acte s'apparente au coup d'État du 5 février 2005 à la suite du décès de M. Gnassingbé Yarima. C'est un coup de force. Lorsque vous refusez d'exécuter un engagement que vous avez souscrit, vous faites un coup de force. Et donc, c'est un coup de force.
Si vous voulez dire que la seule alternative est d'accepter les coups de force, vous savez bien que nous, en ce qui nous concerne, nous ne nous engageons jamais dans cette voie-là. Nous revendiquons, parce que nous faisons de la politique, nos droits. C'est le devoir d'un parti politique que d'exiger le respect de la loi. Donc nous exigeons le respect du droit parce que lorsque, en présence d'une constitution, il y a une crise et qu'on a été obligé de faire un accord politique, cet accord est au-dessus de la constitution. Il faut le respecter. Et le chef de l'État n'a aucune compétence pour décider tout seul, parce qu'il est chef de l'État, de la mise à l'écart de l'accord politique global, nous disons non. Mais nous répétons ce que nous disons toujours. Notre force, c'est le peuple. Et c'est avec la pression populaire que nous pouvons ramener le pouvoir RPT unir à la raison. C'est tout ce que nous disons. Politique également en Afrique de l'Est. La Somalie a élu le président de son nouveau parlement ce mercredi. C'est le président sortant Mohamed Osman Jawari qui a été réélu dès le premier tour et avec 141 voix sur les 259 députés présents. Selon un système de clans qui régit la politique somalienne, l'élection du président du Parlement impacte directement celle du futur chef de l'État puisque ce sont les députés qui l'élisent. Le processus électoral somalien est complexe. Sur les 12 millions de Somaliens, 14 000 électeurs délégués ont voté entre octobre et décembre dernier afin d'élire les 275 parlementaires. Des candidats généralement choisis à l'avance par consensus et représentant chacun un clan ou un sous-clan du pays. La date de la présidentielle somalienne n'est toujours pas connue, mais elle devrait intervenir dans les prochaines semaines. L'actuel président, Hassan Sheikh Mohamud, est candidat à sa succession. Le nombre de députés qui ont voté dans cette session est de 259. Deux votes sont invalidés. Jawari, qui a remporté les élections, a eu 141 votes. Donc le nouveau président de la Chambre du peuple est Mohamed Osman Jawari. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Le peuple de Somalie a gagné et la Chambre du peuple a gagné. Au Burundi, les funérailles d'Emmanuel Niyonkuru ont eu lieu mardi à Bujumbura, en présence de plusieurs dignitaires, dont le président Pierre Nkurunziza, des membres du gouvernement ainsi que des ambassadeurs. Le ministre de l'Environnement et de la Planification avait été tué par balle peu après minuit, le soir du Nouvel An. Il avait 54 ans. Après un service religieux à l'église, la dépouille de M. Niyonkuru a été conduite au cimetière, où l'inhumation a été suivie d'un dépôt de gerbes de fleurs et de prières. Le procureur général du Burundi a annoncé samedi les arrestations de 6 personnes dans le cadre de l'enquête. Emmanuel Niyonkuru est le premier membre du gouvernement à être assassiné depuis le début de la crise politique au Burundi. Une collaboratrice qui a travaillé pendant plus de 20 ans avec le ministre rend hommage au défunt. C'était un homme très juste. Il était vraiment, je dirais, très toujours joyeux, mais il parlait moins. Il travaillait beaucoup et parlait moins. Et ce que je connais de lui, c'est que, comme on l'a toujours dit dans sa biographie, c'est un homme qui voulait aider tout le monde. Direction le pays voisin. Ce sont 26 personnes qui ont été tuées en seulement 8 jours dans la province du Kasaï central en République démocratique du Congo. Ces décès, rapportés par le gouverneur de la province et recensés depuis le début de l'année, font suite à des heurts entre les forces de l'ordre et les partisans du chef traditionnel, Kamuina Nsapu. Le jeune médecin avait été tué lors d'une opération de police le 12 août dernier. 4 mois plus tôt, il avait lancé sur les réseaux sociaux un appel à l'insurrection et à la libération du Congo. Depuis le décès de Kamuina Nsapu, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies compte au moins 140 morts dans les affrontements entre la police et les partisans du défunt, et ce, dans les 3 provinces du pays que sont le Kasaï central, le Kasaï et le Kasaï oriental. Si le budget de l'État du Cameroun au plan national est établi en recettes et dépenses à la somme de 4 373,8 milliards,
Le montant octroyé à la région du littoral 1, qui comprend les départements de la Sanaga maritime, du Vouri et du Nkam, s'élève à 53 659 360 666 francs CFA, soit un peu plus de 22 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 30 milliards pour l'investissement en crédit délégué. La stagnation et la baisse des cours des matières premières, dont ceux du pétrole, la perturbation du marché financier, la morosité de l'environnement économique sous-régional et international, l'encadrement des populations des zones affectées par l'insécurité transfrontalière et la poursuite des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est dans cet environnement que va s'exécuter le budget 2017 de l'État du Cameroun. Un environnement plutôt difficile. Nous sommes dans un contexte qui est difficile, mais qui n'est pas difficile pour le Cameroun uniquement, qui est difficile pour nombre de pays qui produisent du pétrole, comme le nôtre. Nous avons, pour l'année 2016, notre économie a pu résister à ces chocs, aux chocs pétroliers qu'il y a eu, et aussi aux deux conflits que nous avons à nos frontières, qui sont des conflits qui demandent beaucoup de moyens. Nous avons pu tenir le coup, et nous pensons qu'en 2017, il faudra encore se serrer les coudes. C'est pour cette raison que l'État a engagé, comme on l'a vu dans ce budget, un budget où le train de vie de l'État va être réduit pour prendre en compte ces difficultés. L'objectif du lancement et de la présentation de ce budget à Douala, premier pôle économique du pays, est de permettre une meilleure compréhension de la réglementation en matière d'exécution des budgets publics pour une exécution optimale. Il s'agit aussi de respecter les engagements pris par le chef de l'État sur les plans économiques et sociaux afin d'accélérer les actions décisives indispensables au redressement économique et un ajustement rationnel de la dépense publique. Elle est légèrement plombée par la méconnaissance des procédures, elle est légèrement plombée par de l'inertie des acteurs. Donc, c'est pour cela que nous venons donner l'information qu'il faut donner, renforcer les capacités des acteurs, tous ceux qui interviennent dans le processus d'exécution du budget de l'État, pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires, pour qu'ils aient toutes les habilitations nécessaires, pour qu'ils aient tous les moyens nécessaires pour une exécution harmonieuse du budget de l'État. Ce budget vise la mise en œuvre de 161 programmes ministériels, dont 96 sont opérationnels. On peut citer entre autres la construction du stade de football de Japoma et l'aménagement des entrées est et ouest de la ville de Douala. Comme de bons citoyens, ils ont exécuté l'hymne national. Mais ici, vêtus de t-shirts blancs, nul n'est Camerounais. Tous réfugiés, 91 au total qui reçoivent aujourd'hui leur attestation de fin de formation. Pendant 3 mois, ils ont été formés à des petits métiers pour permettre leur autonomisation en terre camerounaise. Ils viennent de nombreux pays africains, du Tchad, du Nigeria, du Togo ou encore de la RCA. C'est le cas de ces femmes centrafricaines, elles ont quitté leur pays pour échapper à la guerre. La formation que je suis venu faire, on a dit, on dépose la dossier. Mon nom est sorti maintenant. Je suis venu faire la formation pour aider les enfants avec. Arrivée en 2013, Marie-Noël a tout laissé derrière elle, famille et enfants, pour espérer une vie meilleure à Yaoundé. Aujourd'hui, mère de cette petite fille de 10 mois, elle s'est spécialisée dans la fabrication des produits d'hygiène et a découvert ici une nouvelle raison de croire. Je sens quand même mieux ici, plus que chez moi. Oui, parce que chez moi, toute la nuit, on ne peut même pas dormir. Même si vous partez au champ, ça ne va pas. Vous courez seulement toute la journée, toute la nuit. Mais ici que je suis venue, je vais quand même mieux. Je dors bien, je marche bien. Comme elle, les récipiendaires ont dû suivre une formation allant jusqu'à 3 mois pour les plus difficiles. Alors, c'est avec beaucoup de joie que certaines ont reçu leur précieux sésame. Mais après les réjouissances, il faudra surtout tenir son activité, comme les 48 femmes qui proposent déjà leurs produits sur le marché. Pour ces débutantes dans la fabrication des jus naturels, le défi reste grand, notamment dans les équipements. Nous, on a vraiment difficulté. Notre difficulté, c'est quoi? Notre difficulté, on a le problème de congélateur pour mettre dedans. Parce qu'il y a les Camerounais, pas les Camerounais, même les Centrafricains. Tout le monde qui est ici, là, les saisons qui viennent là, ça chauffe. Les gens aiment ce qui est frais. Des difficultés et doléances bien connues du Centre de formation professionnelle de Yaoundé 5e, initiateur de ce projet et de ses partenaires, en l'occurrence le Fonds national de l'emploi, Plan Cameroun et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Tous
se félicitant d'un tel programme. Ce que nous venons de constater ici, ce que nous avons fait avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est donc de former ces réfugiés à des techniques toutes simples. Vous avez vu tout à l'heure ces femmes qui font du jus naturel, du poisson fumé. Certains ont été formés au métier de la blanchisserie. Il y a un pâtissier. Vous voyez, donc c'est des activités qui peuvent leur permettre quand même de pouvoir régler leurs propres problèmes en attendant évidemment une solution durable. Et la solution durable, c'est le retour éventuel dans leur pays d'origine, dans la sécurité et la dignité. Cette initiative ne serait qu'un début de solution, car au Cameroun, ils sont actuellement quelque 365 000 réfugiés et demandeurs d'asile en quête d'autonomisation. En Afrique australe, deux mosquées ont récemment été profanées. Le premier acte de vandalisme s'est déroulé durant le week-end à Simonstown, où un groin de porc a été déposé à l'entrée de l'édifice maculé de sang. La seconde profanation a été découverte lundi, à une dizaine de kilomètres de là, avant la prière du matin. Des inscriptions du Coran ont été jetées à terre et du sang découvert sur les murs ainsi que sur la chaire de la mosquée de Kalk Bay. L'événement est inédit dans cet édifice religieux vieux de 100 ans et situé dans la petite station balnéaire sud-africaine. Les actes qualifiés d'islamophobes par les autorités de la province du Cap Occidental ont choqué les populations locales. Les résidents de Kalk Bay ne veulent cependant pas se laisser terroriser. Pour certains, ces profanations pourraient être le fait de déséquilibrés agissant seuls. Dans l'après-midi, mon cousin est venu. C'est le gardien de la mosquée et il a vu qu'il se passait quelque chose de suspect. Tout ce que je peux dire, c'est que les gens sont choqués, vraiment choqués. Kalk Bay, c'est une communauté tranquille et les religions cohabitent très bien. Musulmans, chrétiens, juifs, nous tous, je suis prêt à parier sur ma vie que ce n'est pas quelqu'un d'ici qui a fait ça. C'est vraiment perturbant que quelqu'un de l'extérieur puisse venir ici et agir ainsi, provoquer un tel antagonisme. Je pense personnellement que c'est l'attitude d'un ou de plusieurs individus isolés parce que cela ne reflète pas ce que la majorité des gens pensent. Je crois et nous savons qu'au Cap, les gens sont dédiés à faire marcher cette société multiculturelle aux multiples croyances dans la paix et dans l'harmonie. À deux jours de la tenue de la 27e édition du sommet Afrique-France pour le partenariat, la paix et l'émergence, les grandes lignes se précisent. En prélude à l'événement, un forum des jeunes a été organisé au Palais de la Culture, à Madou, en pâté de Bamako, sous le thème « Jeunesse et entrepreneuriat ». L'objectif est d'inciter les jeunes maliens à s'engager davantage pour réunir les conditions idoines à la paix, mais également de développer l'esprit d'entrepreneuriat en vue d'un développement à l'échelle africaine. Ce forum est essentiellement vise à poser la problématique de la transformation, mais aussi le positionnement de la jeunesse en tant qu'acteur au changement et non pas seulement en tant que spectateur ou passif de toutes les transformations qu'on leur apporte. Pour plusieurs jeunes, cette rencontre est considérée comme le point de départ d'un nouvel engagement entrepreneurial et de ce fait, les attentes sont diverses. Nous les jeunes, on a besoin d'être prise en compte. Il y a plusieurs jeunes qui sont en chômage. À la fin de notre étude, on dépose les dossiers, mais il y en a et tout. Ben, en tant que jeune de la diaspora, j'aimerais juste que nos dirigeants s'intéressent un peu à la diaspora. La diaspora, c'est une force pour toute nation, chose que souvent nos leaders oublient. Donc là, nous, on a un savoir-faire, une certaine valeur ajoutée. On voudrait rentrer chez nous, mettre ça en application, créer des emplois, qu'on nous donne les opportunités tout simplement. La jeunesse veut de l'emploi, de l'autonomisation. Ils veulent être rassurés par les gouvernants. La jeunesse où les jeunes ne veulent plus aller ou bien croire que les droits d'eau c'est ailleurs et aller trépasser dans les océans ou dans les mers. Les jeunes veulent rester ici comme partenaires, non pas un problème à construire le développement économique du pays ensemble avec les gouvernants. Et ce que nous attendons, c'est qu'au-delà des thèmes évocateurs, par exemple jeunesse, entrepreneuriat, de ces grands thèmes, jeunesse, emploi, il faut qu'on aille vraiment au concret. Ce sommet qui verra la participation de 14 ministres africains de la jeunesse a été l'occasion pour le gouvernement malien de plaider en faveur d'une coopération mutuellement gagnante axée sur l'éducation, l'emploi des jeunes, l'arrimage au TIC ou encore la promotion de l'esprit de solidarité. C'est donc parti pour 3 jours d'activités qui seront meublés par des panels, des B2B ou encore des coachings de groupe sur l'entrepreneuriat jeune.
Aux États-Unis, l'heure était à l'émotion à Chicago. Le président Barack Obama a fait ses adieux à la vie politique lors d'un discours d'une heure prononcé à 20h locale. Dès samedi à l'aube, les billets gratuits pour assister à ce dernier meeting se sont arrachés. C'est dans la ville où il a connu son ascension politique fulgurante que Barack Obama a choisi de prononcer son dernier discours en tant que président des États-Unis. Il s'est exprimé dans l'enceinte du centre de conférence McCormick Place, en présence de son épouse Michelle et de leur fille aînée Malia, ainsi que de son vice-président Joe Biden et de sa femme. Après deux mandats à la Maison-Blanche, le président démocrate de 55 ans cédera le pouvoir le 20 janvier prochain au républicain Donald Trump. Satisfait du bilan de ses 8 ans à la tête du pays, Barack Obama a appelé mardi les Américains à se mobiliser pour faire vivre la démocratie et à accepter son successeur. Un message apprécié et bien reçu par ses sympathisants. La démocratie ne requiert pas l'uniformité. Nos fondateurs se sont disputés et ont fait des compromis. Ils attendaient la même chose que nous. Mais ils savaient que la démocratie demandait un esprit de solidarité fondamentale. Que quelles que soient nos différences, nous sommes tous concernés, que nous allons progresser ou plonger ensemble. Grâce à vous, l'Amérique est meilleure et plus forte que lorsque nous avons commencé, dans presque tous les secteurs. Vous servir a été le grand honneur de ma vie. Je ne m'arrêterai pas, je serai avec vous en tant que citoyen jusqu'à la fin de mes jours. Pour le moment, que vous soyez jeune ou que vous ayez l'esprit jeune, j'ai une dernière chose à vous demander en tant que président, la même requête qu'il y a 8 ans. Je vous demande de croire, pas en ma capacité à changer les choses, mais en la vôtre. Il représente ce qu'un homme devrait être. Il est l'incarnation de ce qu'un homme devrait être, ce qu'un homme devrait représenter. Il aime beaucoup sa femme. Il rend honneur à sa femme. Il rend honneur à ses enfants. Je retiendrai surtout qu'il faut se mobiliser, que nous avons un impact si nous le faisons et que nous nous impliquons. Il faut s'impliquer. J'ai lutté pour cette campagne depuis 8 ans. J'ai frappé aux portes et en voyant les résultats, il faut comprendre que la démocratie ne s'arrête pas parce que nous n'avons pas gagné cette élection. Il faut la maintenir en mouvement et aller de l'avant pour des petits comme lui. Je suis tout simplement fière d'avoir vécu cette époque et je consacre mon temps, mon énergie et ma vie à la poursuite de la mission qu'ils ont commencée. La justice américaine vient de condamner le tueur de Charleston à la peine de mort. Dylan Roof est responsable de l'assassinat de 9 paroissiens afrodescendants dans une église de Caroline du Sud le 17 juin 2015, un acte qui avait choqué l'opinion publique. C'est sans aucune émotion que le jeune suprémaciste de 22 ans, qui a assuré lui-même sa défense, a écouté l'énoncé du verdict mardi. Les 12 jurés du tribunal de Charleston sont tombés d'accord à l'unanimité sur les circonstances aggravantes concernant la tuerie, notamment la préméditation et l'absence de remords. Aucun facteur atténuant n'a en revanche été trouvé à l'accusé. Malgré le verdict, le sort de Dylan Roof ne panse pas toutes les plaies des familles des victimes. C'est une victoire creuse parce que ça ne fera pas revenir ma sœur. J'aimerais que ce verdict puisse la ramener. C'est difficile de savoir que quelqu'un va perdre la vie. Mais lorsque vous regardez tout ce qui s'est passé, il est difficile de dire que cette personne mérite de vivre quand les 9 autres ne vivent plus. Comment justifiez-vous de sauver une vie alors qu'il en a pris 9 et d'une manière si brutale? Je ne peux pas vivre dans la haine, mais je pense qu'avec le temps, la paix viendra. Mais pas pour l'instant. Ouvrons notre page sport à présent. La Coupe d'Afrique des Nations démarre dans quelques jours au Gabon. En attendant le coup d'envoi samedi 14 janvier, les footballeurs du pays organisateur s'entraînaient mardi à Libreville. Parmi eux, le joueur du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine de la sélection gabonaise. Parmi les 16 équipes qui participeront à la compétition africaine, certaines se sont rencontrées ce mercredi pour des matchs de préparation. Depuis Brazzaville, la République du Congo affrontait le Sénégal. Les Lions de la Teranga l'ont emporté 2-0. La Côte d'Ivoire a elle battu l'Ouganda sur un score de 3-0, marqué par Kodia, Zaha et Aurier. Le match s'est déroulé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Retour sur la préparation de la sélection gabonaise. C'est la deuxième fois que le Gabon abrite, donc ça veut dire que nous devons être concentrés, nous devons faire des efforts. Comme j'ai dit, c'est un plaisir et on espère que la fête sera belle. Et ceux qui ont les yeux fixés sur cette équipe nationale puissent retourner chez eux ou qu'ils soient à la maison, puissent être contents. Et comme j'ai dit,
on va donner le meilleur et on va tout faire pour que la fête soit belle. Le plus dur, c'est la compétition, elle est dure. Donc il va falloir tripler l'effort pour se rendre les choses faciles. Voilà, on a nous, personnellement, on ne néglige aucun adversaire. Si tu as réussi à te qualifier à la CAN, c'est-à-dire que tu es un gros. Donc pour nous, tout adversaire qui sera face à nous, ce sera un gros. Donc on se doit de jouer à fond, à fond, à fond, à fond. Retour sur le continent africain pour clore ce journal. Mardi 10 janvier, comme c'est la coutume depuis 1996, la communauté béninoise a célébré la fête des religions endogènes et traditionnelles à Ouida. L'ancien port symbole au Bénin de la traite négrière a notamment mis en valeur le vaudou. Pour l'occasion, des milliers d'adeptes de cette religion animiste ancestrale et venus de tout le golfe de Guinée se sont réunis autour de danses. Des touristes venus du monde entier ont également pu assister à l'événement tenu en présence du roi de Ouida. Le 10 janvier, on vient célébrer une grande manifestation pour nos ancêtres. C'est pour ça. C'est vraiment exotique et je prends plein de jolies photos. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est nouveau pour moi et je suis impressionnée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.